Grâce à l'action de la Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ondimba, et de la diplomatie gabonaise, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 2010 la résolution numéro 65-189 qui institua le 23 juin de chaque année comme une journée consacrée aux veuves et aux orphelins. L'objectif d'une telle journée est de sensibiliser le monde entier à la nécessité de protéger les veuves face à la maltraitance qu'elles subissent. Dès l'annonce du décès de leur époux. Au-delà de cet objectif, il reste que ces veuves très vulnérables, qui le plus souvent demeurent au foyer parce que sans emploi, ont du mal à entretenir la nombreuse progéniture qu'elles sont désormais seules à élever. C'est le cas de maman Odile qui tire le diable par la queue du côté du quartier Bellevue 2. Mon mari est décédé, il avait un cancer de la gorge, il est allé mourir en Tunisie. Et tout le temps qu'on a passé, on a passé ensemble. Il n'a pas conçu, on a conçu cette maison, mais c'est sur un ido. Donc, ça, ça a fait, c'est, C'est comme ça que vous voyez, c'est déjà euh, presque foutu. Je suis obligée de rambler la terre avec les enfants, voir avec la suite, la si on peut ressortir notre bâtiment. Comme si le sort s'était abattu dans sa famille. Sa première fille, Karine, seulement 29 ans, connaît déjà les dures réalités du veuvage. Être veuve à mon âge, c'est difficile. Hein Je ne travaille pas, j'ai des enfants à bas âge, j'en ai 5. Euh, on n'a pas demandé à la nature de nous punir. C'est Dieu qui décide comme il veut. Un message est ici envoyé au ministère de la Solidarité et à l'ensemble des signataires du pacte social, dont l'objectif est et demeure la lutte contre la pauvreté et la précarité dans laquelle de nombreux Gabonais vivent.